Luc Onlies, scandant de chant en l'honneur du chairman Moïse Katumbi, comme les images l'attestent, a rué la salle de conférence de la paroisse Somzissi, dans la commune des Kalamou. De l'honorable Délicé Sanga, les cadres et militants de Ensemble ont répondu présents à ces assises visant la sensibilisation de toutes les associations qui soutiennent Moïse Katumbi en marge du grand meeting de cette méga plateforme électorale prévue au 9 juin prochain à la place Sainte-Thérèse Nchili. La première chose, c'est pour vous annoncer le meeting. Au sortir de cette manifestation, Vanno Kiboko, secrétaire général adjoint chargé des mouvements associatifs, doublé de la casquette d'homme des dieux, a tenu de donner la quintessence de cette démarche. Le message est clair, nous avons voulu toucher les différentes couches nationales. Moi, en tant que secrétaire général adjoint chargé des relations avec la société civile et les mouvements pacifistes, pour tâter le terrain et voir jusqu'à quel niveau la population qui ne fait pas partie des partis politiques aime Katumbi. Sont combien les mouvements associatifs? Les mouvements qui sont venus, il y en a 52 qui sont venus, mais il y en a plus, hein, parce que tout le monde n'est pas venu, il y en a plus qui nous contactent et qui veulent venir. Nous devons avoir plus de 200 mouvements. Mais pour le moment, aujourd'hui, il n'y a que 52 qui ont répondu. C'est qui une façon de valoir quand même votre droit? Non, c'est le droit de manifester. C'est juste pour montrer que nous, en dehors des partis politiques, il y a la population, la masse silencieuse, la masse qui est même apolitique, mais qui porte cet homme, Moïse Katumbi Tshiapwe, à cause de son leadership qu'il a réussi à imprimer, à calquer sur la population congolaise. Notons qu'au cours de cette activité, une pétition devant atteindre 1 million de signatures a été lancée pour exiger le retour du président Moïse Katumbi au pays de Lumumba pour prendre part aux élections et postuler à la présidentielle de décembre 2018.